Ah bah ça y est, tu te sors enfin les doigts du cul, tu refais des axes bio. Ouais, non, mais c'est parce que ma blouse était dégueulasse, il fallait que je la lave, c'était un peu Elle compliqué. est toujours dégueulasse. Ouais, c'est pas faux. Non, j'ai pas d'excuses en fait. Salut les mordus et bienvenue dans ce nouvel axe bio découverte. Aujourd'hui, je ne vous parle ni de pêche ni de poisson, mais d'un oiseau, d'un compagnon occasionnel de mes sorties, dirais-je, le grandmaster de la récolte de larves en eau vive, j'ai nommé le cincle plongeur. Lost is a key on the fisherman's day. Weary recovery, I couldn't say. Le cincle plongeur, c'est un oiseau qui m'a toujours fasciné. J'ai eu l'occasion de le rencontrer assez tôt dans ma vie de pêcheur, et ben je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours fait quelque chose. Il a ce petit truc que je trouve assez unique, et c'est pour ça que j'attendais avec impatience l'occasion de vous en parler un peu. Et du coup, bah, déjà, laissez-moi vous raconter l'histoire de cette occasion. Cet hiver, j'essayais vainement de prendre du brochet dans une gravière pas très loin de chez moi, et c'est là qu'en tournant mon intro, je vois un amas de trucs derrière moi, un affût photo. Et c'est là que j'ai rencontré Louis, un photographe animalier qui fait un excellent travail. Je vous mets son Insta en description, histoire que vous puissiez jeter un œil, mais il nous glissera quelques mots en fin de vidéo, donc bah, restez jusqu'à la fin. Bref, il y a quelques semaines, je pars pour une petite session rapide dans la Meurthe, et en arrivant sur le spot, je vois un joli balai, un couple de cincles en train de charbonner pour nourrir sa nichée fraîchement éclose. Après quelques images maladroitement happées, je laisse un message à Louis et rendez-vous est pris pour un affût quelques jours plus tard pour vous préparer cet épisode. Et donc, me voilà à vous parler d'oiseaux. Alors, allons rendre visite ensemble à ce joli petit habitant de nos berges. Le cincle plongeur, Cinclus cinclus, est donc un passereau de taille moyenne, de la famille des cinclidés, famille qui ne comprend que 5 espèces, toutes du genre Cinclus. Or les passereaux, c'est un ordre, les passeriformes, qui contient un gros paquet d'oiseaux de différentes tailles qu'on connaît bien, comme les mésanges, les merles ou les corbeaux par exemple. Notre cincle plongeur, il fait à peu près la taille d'un petit merle, et on l'appelle d'ailleurs parfois merle d'eau. Mais il est surtout reconnaissable à son plastron blanc sous une tête brune, le reste du corps étant brun foncé, tirant presque vers le noir. On peut le voir parfois volant rapidement au ras des eaux vives de toutes les zones qui présentent un peu de relief dans la moitié est de la France, le Massif central, les Pyrénées et la côte méditerranéenne. Dans le reste du monde, on le trouve dans les mêmes milieux, dans toute l'Europe et jusqu'au nord-ouest de l'Afrique. Chez nous, il est plutôt sédentaire, mais il peut arriver qu'on voit plusieurs individus se rapprocher, voire se regrouper, dans certaines situations difficiles où l'eau vient à manquer ou au cours d'hivers un peu rudes. Les populations scandinaves, elles, opèrent en revanche de véritables mouvements de migration, bien que ce ne soit pas le cas pour tous les individus. Il a un vol vif, agile, linéaire, quelque peu similaire à celui du martin-pêcheur, et qui détonne nettement de celui du merle et de la plupart des passereaux qu'on connaît. Il se nourrit d'invertébrés aquatiques ou picorés sur les berges, et même de petits poissons comme les vairons. Il se pose fréquemment sur les rochers ou les souches émergentes, à proximité d'un calme ou d'un remous, se balançant de haut en bas, le temps de repérer une proie avant de plonger pour la saisir. Quand il fait ça, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est probablement pour gérer la question des reflets. Mais en fait, j'en sais rien. Sous l'eau, il va littéralement marcher sur le fond, en s'agrippant avec ses pattes qui sont assez puissantes, hein, rapport à sa taille, voire en nageant avec ses ailes pour descendre jusqu'à 1,50 m de profondeur et se maintenir au ras du fond. Après avoir capturé sa proie, il va se laisser dériver tranquillement avant d'émerger sur la berge ou un autre rocher un peu plus bas. Et ça, il le fait environ 1600 fois par jour. Ce qui fait qu'on a un oiseau qui passe à peu près 2 heures par jour à se balader en marchant tranquillement au fond des cours d'eau. Le couple fait son nid sous les berges, au ras de l'eau ou sous les ponts, dès janvier s'il ne gèle plus,
après une parade nuptiale et l'établissement d'un territoire qui va pouvoir couvrir entre 300 mètres et 2,5 km de linéaire, selon la qualité du milieu en termes de ressources alimentaires. Territoire dont il chasse évidemment tous ses congénères. Ce sera un nid en forme de dôme, fait de mousse, de brindilles, d'herbes sèches et de feuilles, accroché sous un pont ou dans une cavité en surplomb au-dessus de l'eau. La femelle y pond 4 à 6 œufs entre mars et avril qui donneront naissance à des poussins 2 semaines plus tard. Pendant cette période d'incubation, le mâle ne s'approche du nid pour le surveiller que lorsque la femelle s'absente temporairement pour se nourrir. Mais il arrive tout de même régulièrement que ce soit lui-même qui la ravitaille. Ah là là, c'est beau l'amour, hein. Et d'ailleurs, en parlant d'amour, eh bien, si vous appréciez cette vidéo, pensez à vous abonner. Et puis vous pouvez également soutenir la chaîne grâce aux différents moyens proposés en description. Après tout, en quelque sorte, on couvre des vidéos, nous, alors c'est un peu pareil, non? Ouais, je sais pas si je l'aurais tenté, celle-là. Une fois les œufs éclos, le couple entame un balai incessant pour nourrir ses goinfres d'oisillons pendant un mois environ. Tâche pour laquelle ils ne seront, franchement, pas trop de deux. Et c'est à ça qu'on a assisté, et ces images que vous voyez, ce sont celles de deux parents bien déterres qui charbonnent dur pour leur progéniture. La progéniture en question, elle, ne sortira en général pas du nid avant au moins 24-25 jours. Et on observe parfois une seconde nichée en mai, une fois les jeunes émancipés, et il paraît même que de temps en temps, il en vient une troisième, sans doute due au dérèglement climatique. La première sortie du nid est plutôt épique, puisqu'il se jette littéralement à l'eau, dans le grand bain, non, là je suis à court de jeu de mots pourris, en se laissant tout simplement tomber du nid. Ils savent évidemment déjà nager et plonger, mais sont encore incapables de voler, ce qui rend du coup toute sortie du nid définitive. Ils vont donc rester cachés sur les berges, où ils seront encore nourris par leurs parents pendant 1 à 2 semaines, avant de se disperser à plusieurs kilomètres du nid pour aller vivre leur vie. Enfin, pour les 6 à 9% qui passeront la première année, quoi. On estime à 43 000 le nombre de couples nicheurs en France. C'est une espèce protégée, mais pas véritablement menacée, sinon à l'échelle régionale, comme dans la région Centre-Val de Loire. Ceci dit, c'est une espèce qui reste assez sensible à la fragmentation des milieux, au marnage et autres variations de débit, et donc à un certain nombre de choses que nous autres, pêcheurs, combattons au quotidien pour protéger les milieux aquatiques. Ceci dit, en plaine, les cingles plongeurs savent également tirer profit de certaines structures comme les petits barrages ou les moulins, qui vont conférer à certains secteurs de rivière originellement plutôt lents un aspect de torrent dont ils semblent avoir besoin pour s'épanouir. L'espèce est également sensible aux pollutions, au colmatage, à l'artificialisation des berges. Tiens donc, encore une flopée de trucs qu'on essaye de combattre. Se pourrait-il que les actions des pêcheurs préservent également l'avifaune des berges? Eh oui, le cas de la Sicile, par exemple, est édifiant. Là-bas, l'artificialisation des berges, l'urbanisation et les canalisations de cours d'eau ont mené les populations de cingles plongeurs au seuil de l'extinction. Sinon, au rang des menaces, on peut également citer l'acidification des eaux, notamment due aux plantations massives d'épicéas, comme c'est le cas autour de chez moi, ou encore l'ombrage excessif des cours d'eau, qu'on peut notamment constater dans certaines zones envahies de plantes comme les renouées du Japon. Ouais, décidément on est servi, nous, dans les Vosges. Et puis bon, est-il nécessaire de rajouter que le dérèglement climatique risque de piquer un peu pour un oiseau qui dépend des mêmes eaux vives que les salmonidés pour pouvoir subsister? Je vous laisse méditer là-dessus et surtout je vous laisse avec notre petite rencontre avec Louis. Moi c'est Louis, j'ai 23 ans et je suis étudiant en biologie environnementale sur Nancy. Et je fais de la photographie animalière principalement, c'est ma passion. Et derrière, j'aime beaucoup voguer au gré des ripisylves et vraiment prendre le temps d'observer la nature. Alors, c'est principalement des animaux qui se trouvent au bord des rivières, donc que ce soit du martin pêcheur, du cincle,
Ça peut être, je sais pas, du ragondin, il y a toujours des choses intéressantes à voir. Le castor qui sera un de mes futurs projets à venir. J'ai repéré pas mal de coins dans le secteur des Vosges, mais aussi en Lorraine plus global. Et ça sera surtout de voir l'impact de celui-ci sur nos rivières et voir ce qui va changer sur l'environnement et voir les côtés un peu positifs et négatifs de celui-ci. Alors ça sera principalement, je mets toutes mes photos sur Instagram. Donc tu mettras, je pense, mon nom, enfin mon pseudo Instagram dessus. Et puis je poste toutes mes photos et je fais aussi des petites stories un peu explicatives autour des rivières, etc. Et même sur le castor et d'autres espèces. Principalement, je voudrais parler du dérangement qu'on peut opérer quand on se balade au bord d'une rivière ou autre. Surtout en période de nidification, donc je dirais mars, avril, mai. En fait, il y a des espèces un peu sensibles qui vont s'opérer au niveau je sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais des berges ou autres. Ça serait du cygne, ça serait de la bergeronne des ruisseaux, ça serait du martin pêcheur. Donc quand vous voyez un nid ou quelque chose qui est juste à côté de vous, essayez de pas trop rester longtemps sur le secteur, en tout cas pour limiter au maximum le dérangement, surtout sur ces périodes sensibles. Voilà pour cette petite présentation d'espèces inhabituelles dans le giron des axes bio que vous connaissez. Je tenais à vous parler de cet oiseau auquel nos actions profitent également et que j'aime tellement croiser. J'espère que ce petit écart vous aura plu. Moi, j'ai pris un plaisir incroyable à les observer quelques jours durant et à partir à la chasse aux images avec Louis pour vous préparer tout ça. Merci à lui donc, ainsi qu'à Peter qui nous a également transmis quelques-unes des images que vous venez de voir. Je vous mets également son Instagram en description. Merci encore aux tipeurs qui rendent ce genre de vidéo enfin possible. Si vous voulez soutenir la chaîne vous aussi, vous pouvez le faire sur Utip, Brave ou sur les lives des pêcheurs du dimanche, le dimanche. Et puis on a aussi une boutique Spreadshirt si vous aimez les goodies. Si vous voulez découvrir des espèces de poissons méconnues, je vous propose ces deux vidéos sur l'hydmélanote et la bouvière et son mode de reproduction original. On se retrouve sur l'une ou l'autre et sur ce, je vous dis soyez curieux, gardez la pêche et à la prochaine !